la sesión, esta vez con Antoine Debord. Él nos ha presentado un amplio currículum. Yo voy a tratar de entresacar algunas características que me parecen las más importantes. Antoine Debord es doctor por el Instituto de Estudios Políticos de París hace ya algún tiempo. Ha trabajado en proyectos de investigación con Michel Lallemand, que fue uno de los grandes protagonistas del capital social. Es el responsable de máster en materias como intervención social y económica, responsable al mismo tiempo también, no de los máster, sino también de licenciaturas, en temas como proyectos colectivos en inserción. Pero creo que cabría destacar de Antoine Debord que actualmente, desde hace 2004, es profesor de sociología en el Consejo Nacional de Artes y Oficios, que es una institución de primer grado en el Estado francés. Y en esa misma institución, en ese mismo organismo, en el Consejo Nacional de Artes y Oficios, es responsable del laboratorio Lycée. Y es al mismo tiempo vicepresidente de la Comisión de Investigación Científica de ese mismo organismo, Consejo Nacional de Artes y Oficios. Por lo tanto, creo que tenemos delante a uno de los grandes estudiosos, sociólogos, del tema de capital social. Permettez-moi de vous dire quelques mots en français quand même. J'allais vous souhaiter un agréable séjour parmi nous au Pays Basque, mais vu que vous avez eu un bref séjour parmi nous, vous êtes arrivé hier soir et vous partez cet après-midi. Donc, je ne veux que vous souhaiter un bon retour chez vous. En tout cas, un grand merci pour avoir participé chez nous pour développer, pour faire connaître le capital social. Donc, un grand merci tout à l'heure. Donc, vous serez pour la première intervention environ 55 minutes, et puis on prendra 5-10 minutes pour les colloques. S'il y a des questions à vous poser, et donc un grand merci de nouveau. Et sin más, vamos a reanudar la sesión con la primera intervención sobre la historia intelectual del capital social que va a desarrollar Antoine Debord, como gran estudioso del tema. Y luego habrá una segunda intervención de carácter menos histórico, pero sí donde tratará de describir básicamente las líneas de investigación de capital social, es decir, aquellos aspectos, aquellas líneas de actuación en los que el capital social pues trata de tener un termómetro y medir aquellas líneas de investigación de medición posible. Porque a veces se habla de capital social pues a nivel teórico, pero luego hay que
pasar a la práctica y seguramente muchas de las dificultades provienen de transcribir esos conceptos teóricos a la práctica y a la medición concreta, ¿no? Pero sin más, le cedo la palabra a Antoine Verbeau. Muchísimas gracias por estar entre nosotros, por su participación. Bien, merci de vos paroles de bienvenue, merci de votre invitation et de me donner l'occasion de venir discuter avec vous de la problématique du capital social. Je suis désolé de ne pas parler l'espagnol, je suis désolé de ne pas rester, d'autant plus donc j'ai découvert d'une part Saint-Sébastien et ça m'a donné envie d'y revenir, et d'autre part j'aurais bien aimé assister aussi à la suite de ces discussions, mais des obligations d'examen, de jury, m'obligent à revenir sur Paris. Donc, les théories du capital social sont devenues connues grâce aux travaux de Robert Putnam, hein, qui ont commencé en 1993. Ceci dit, Robert Putnam le reconnaît lui-même, il n'a pas inventer la notion. Alors, soulignons tout de suite que Robert Putnam est un politologue et non pas un sociologue américain qui a consacré deux œuvres qui ont beaucoup fait pour que le capital social vienne sur l'agenda. Hein. Son premier travail sur l'agenda académique d'abord, hein, par son travail Making Democracy Work, Civic Traditions in Italy, où il étudiait la performance ce qu'il appelle la performance institutionnelle comparée des gouvernements régionaux italiens. Et ensuite, il est revenu aux États-Unis, hein, il avait découvert un petit peu la notion et problématisé la notion de capital social en Italie. Il revient aux États-Unis et il essaye de savoir ce qui se passe aux États-Unis concernant le capital social, et il constate que le capital social disparaît. Il écrit d'abord un article en 1995 qui s'appelle « Bowling Alone ». Et cet article-là fait du débat sur le capital social, un débat non seulement académique, mais un débat politique, quasiment médiatique. Et il entame des travaux qui aboutissent à un livre en l'an 2000 où il fait le point sur l'évolution du capital social aux États-Unis. On doit à Putnam une définition qui est considérée plus ou moins comme la définition standard, que je rappelle là avec une petite nuance. Donc, comme on l'a déjà vu, le capital social se rapporte au réseau de relations sociales et de normes, et je s'exprime, c'est réseau de relations sociales et réseau de normes de réciprocité qui favorisent la coopération au sein ou parmi les groupes. Normalement, suite à la précédente intervention, vous devriez être étonné de ne pas y trouver la notion de confiance. Elle figure quand même dans la définition de Putnam. J'ai préféré pour le moment la mettre entre parenthèses. On peut dire que parmi les normes de réciprocité, on peut y faire rentrer ou non la question de la confiance. On y reviendra, la question de la confiance, est-ce une dimension du capital social ou est-ce un produit, fait partie des grands débats. En fait, le capital social, il ne l'a pas inventé parce que c'est une ancienne idée moderne, c'est-à-dire c'est une idée qui n'est pas nommée telle quelle. Hein. La notion, j'y reviendrai, apparaît au début du XXe siècle, mais en fait, l'idée qu'il y a derrière les travaux sur le capital social sont présentes dans toute la tradition sociologique, et notamment chez Putnam, chez Tocqueville, qui est la référence obligée de tous les travaux sur le capital social, qui publie au début du 19e siècle un travail sur la démocratie en Amérique. Mais au-delà de ce travail sur lequel je vais revenir, toute la sociologie du 19e siècle s'interroge sur la façon de faire société, en fait. Qu'est-ce qui fait le lien social? Qu'est-ce qui produit de la solidarité? C'est une question qui traverse toute la tradition sociologique, et c'est dans cette tradition sociologique que s'inscrit les théories contemporaines du capital social. Il n'est pas non plus tout à fait étonnant que Putnam ait finalement découvert la notion de capital social, en tout cas problématisé la question de capital social en Italie, parce qu'en fait, une des racines historiques du capital social, c'est bien ce qu'on appelle le républicanisme italien.
Et effectivement, une des questions que pose Putnam, c'est qu'est-ce qu'un bon gouvernement? Or, c'est une très vieille question. Alors, en fait, le temps est un peu compté, mais néanmoins, on peut faire référence à un travaux de Quentin Skinner qui est assez intéressant, qui étudie comment finalement les principes du bon gouvernement apparaissent dans la fameuse fresque de Sienne, hein, intitulée notamment « Le bon gouvernement ». Et dans son analyse de la signification véhiculée par cette fresque qui remonte donc au XIIIe siècle et qui traduit bien les idées du XIIIe et du XIVe siècle italien, il souligne, Quentin Skinner, que ces idées du républicanisme renvoient en fait à des notions que Cicéron avait développées et qui sont la concordia et l'equitas. Alors j'ai rappelé là deux définitions de ce que c'est que la concordia, pas pour faire savant, mais pour montrer à quel point ces réflexions sur cette définition de la concorde et de l'équité sont des définitions extrêmement modernes et renvoient immédiatement aux conceptions contemporaines du capital social. Hein, ce que désigne, selon Cicéron, ces notions, c'est donc l'obligation de lier les hommes les uns aux autres dans la société par la réciprocité des devoirs, en donnant et en recevant alternativement. C'est une définition extrêmement moderne qu'on pourrait mettre quasiment sous la plume de Putnam et qui montre bien que cette idée des capitales sociales est une idée certes moderne, mais d'une modernité qui ne remonte pas ailleurs, ni même au XIIIe, XIVe siècle italien, mais qui remonte à une pensée républicaine qui est déjà en germe chez Cicéron. Et donc, je ne développe pas toutes ces citations, hein, mais on voit bien que dans le capital social, cette idée de réciprocité est présente. Hein, les liens sociaux qui se créent en donnant et en recevant servent à nous lier et à nous attacher les uns aux autres en un groupe volontaire. Tout à l'heure, on reviendra sur la façon dont Durkheim problématise cette notion de lien social, et on verra que Durkheim, sans faire référence à Cicéron, reprend exactement cette même idée de la façon dont le lien, finalement, crée entre les individus des relations, des obligations et des attentes qui sont au cœur de ce qui fait société. Donc c'est une très vieille idée qui, au XIXe siècle, va être problématisée, je vais rapidement l'exposer, qui connaît d'abord une préhistoire du capital social qui est celle des fondateurs de la sociologie contemporaine et qui a une histoire contemporaine à partir du moment où un certain nombre d'auteurs vont utiliser et définir cette notion, mais l'utiliser et la définir tout en la découvrant de façon un peu indépendante, mais de façon assez particulière les uns par rapport aux autres. Donc premièrement, la préhistoire du capital social, hein, je vais rappeler ce que certains d'entre vous connaissent déjà, bien entendu, mais qui néanmoins est important quand on veut vraiment comprendre comment cette problématique s'inscrit dans l'histoire de la pensée, les contributions, la façon dont Alexis de Tocqueville, Max Weber et Émile Durkheim problématisent successivement cette question du lien social, cette question de faire société. En commençant, bien entendu, par Alexis de Tocqueville, pas seulement parce que c'est le plus ancien, hein, c'est peut-être d'ailleurs aussi, à mon sens, le plus moderne des trois, mais aussi parce que Putnam, dans ses travaux, fait explicitement référence à Alexis de Tocqueville. Donc, je rappelle que Alexis de Tocqueville fait un voyage aux États-Unis et fait une analyse sociologique de la façon dont fonctionne la société démocratique américaine en train de se composer. Et on sait que ce qu'il découvre, ce qui caractérise d'après lui la démocratie, c'est d'une part ce qu'il appelle l'égalité des conditions, mais cette égalité des conditions, qui est une égalité potentielle, ce qui ne signifie pas une égalité économique, a pour contrepartie un risque d'individualisme. Et d'autre part, il souligne ce qui fait la colle finalement, pour reprendre un terme récent, ce qui fait la colle de la société américaine, c'est ce qu'il appelle le fait associatif. Et étant donné que les gens sont à la fois égaux et à la fois individualisés, il est clair, comme il dit, que si chaque citoyen, à mesure qu'il devient individuellement plus faible et par conséquent plus incapable de se préserver isolément sa liberté, si chaque citoyen n'apprenait pas l'art de s'unir à ses semblables pour défendre,
pour la défendre, la tyrannie croîtrait nécessairement avec l'égalité. Donc la société démocratique qui crée l'égalité menace cette société en même temps par l'individualisme, et une façon d'éviter de tomber dans la tyrannie, dans le despotisme, c'est de créer des associations. C'est la première fonction des associations pour lutter contre l'individualisme. Alors, dans son analyse de l'individualisme, il faut bien comprendre que Tocqueville fait une analyse assez nuancée de ce qu'est l'individualisme. L'individualisme, pour lui, n'est pas l'égoïsme. Il distingue fortement l'égoïsme comme étant un vice ancien de l'individualisme qui naît seulement avec la démocratie. Il consacre dans ses travaux, dans son livre, un certain nombre de chapitres à analyser cette distinction, et il met en évidence que si on veut éviter que l'individualisme qu'il ne condamne pas ne se transforme en égoïsme qu'il condamne, il faut créer des institutions libres. Là, c'est le libéralisme des institutions américaines qui permet aux individus de ne pas sombrer dans l'individualisme et donc d'être menacé par le despotisme. Et parce que ces institutions libres, c'est elles qui rappellent à chaque instant que les citoyens vivent en société. Et parmi ces institutions politiques libres, il y a les associations qui permettent aux individus donc de prendre conscience que leurs intérêts sont liés. C'est ce qu'il appelle la doctrine de l'intérêt, bien entendu. Donc les associations qu'il analyse de façon très fine ont un certain nombre de vertus. Ces vertus ne sont pas simplement d'empêcher la tyrannie, mais cette première vertu, c'est les associations qui permettent à la société d'évoluer. C'est grâce à au lien que nous nouons dans les associations avec les concitoyens que nous pouvons changer, évoluer, sortir de notre petit monde et avoir un esprit plus ouvert. C'est une idée assez moderne qui sera reprise, on y reviendra, par l'analyse des liens faibles et des liens forts, ou par l'analyse du capital social bonding et bridging. Donc première vertu du fait associatif, les associations permettent à la société d'évoluer. Deuxième vertu du fait associatif, c'est que c'est en ayant conscience de son propre intérêt que l'on est sans cesse porté à aider les autres, à s'aider les uns les autres. Et donc, le fait associatif conduit à s'intéresser à la solidarité les uns avec les autres. Enfin, troisième vertu du fait associatif, les associations ont une fonction de régulation de la société. C'est elles qui forment une multitude de citoyens réglés, tempérants, etc. C'est les associations qui régulent la société. Ça, c'est donc l'analyse de Tocqueville, qui fait, contrairement à ce qu'on pense souvent de Tocqueville, non pas un démocrate résigné. Bon, c'était un aristocrate, certes, mais c'est un aristocrate qui était un démocrate très, très lucide, qui, contrairement à la lecture qu'en fait Nisbet, ne voyait pas du tout d'un œil trop inquiet l'évolution de la démocratie. Il avait compris quelque chose qui est fondamental, à mon sens, dans la théorie du capital social, c'est que l'idéal démocratique, qui est véhiculé par le capital social, qui est comprise dans la notion de démocratie, c'est que la société démocratique, c'est une société qui agit par elle-même et sur elle-même. C'est une idée qui, bien entendu, est totalement, pour ainsi dire, révolutionnaire par rapport à la conception française de cette idée. Alors, Max Weber n'est pas souvent cité dans les théories sur le capital social. Et en fait, c'est mon collègue Michel Allemand, avec lequel nous avons dirigé ce livre, qui a mobilisé Max Weber, qui lui, comme Tocqueville, fait également un voyage aux États-Unis, bon, quelques 70 ans plus tard, et qui est frappé par le fait que les citoyens américains sont tous membres d'une église. Et ils sont très religieux, et il est un peu étonné de cela, d'autant plus, comme il l'explique là, que le fait d'être membre d'une église est extrêmement coûteux. Il ne cite pas cet exemple où il visite une petite commune où quasiment tous les bûcherons sont adhérents d'une église, alors que la contribution à l'église s'élève à près de 10% de leurs revenus.
Et il ajoute qu'en Allemagne, dans ces conditions, les églises auraient beaucoup moins de membres. Or, en fait, ce qu'il analyse, c'est que l'adhésion à l'église n'est pas tant un fait religieux, un fait de croyance, c'est que c'est un moyen de se faire reconnaître. C'est acquérir un label. C'est un moyen d'être reconnu comme les autres. C'est un label de garantie pour faire partie de la société. Ne pas être membre d'une secte, entre guillemets, c'est être menacé d'être un paria. Et il souligne que, de façon générale, dans la vie, la société américaine, les associations jouent un rôle très important. Donc, là aussi, la différence est grande, en tout cas par rapport à la France, hein, c'est qu'un Yankee typique, comme il dit, ne peut pas ne pas être membre des clubs de son lycée, des associations de son université, ni ensuite dans son milieu professionnel, ni dans sa vie. Si on est membre d'aucune association, quelle que soit, on est considéré comme un paria. Là où Weber s'éloigne un peu de Tocqueville, c'est dans l'analyse qu'il fait de ce fait associatif. Le fait associatif américain est pour lui la traduction de la sécularisation des faits religieux et n'est pas tant un enjeu proprement politique comme l'a analysé Tocqueville. La troisième source historique de la sociologie concernant le capital social, c'est bien entendu Émile Durkheim. Alors, les travaux de Émile Durkheim sont assez connus. Hein. Vous savez que la France, avec la révolution industrielle, a manifesté une méfiance à l'écart des corps intermédiaires qui fait de la France une société du point de vue du capital social un peu particulière. Et dans sa thèse d'ailleurs de la division du travail social, ce qu'il souligne d'abord, c'est le rôle des corporations. Hein. Pour lui, une morale et un droit professionnel, et c'est intéressant de voir, parce que c'est un thème qui en général est un peu négligé, hein, le rôle des corporations, c'est de produire des normes de réciprocité, comme dira Putnam. Donc pour qu'une morale et un droit professionnel puissent s'établir dans les différentes professions, il faut qu'il existe des corporations. C'est grâce aux corporations que les individus peuvent former un groupe défini, organisé, en un mot, dit-il, une institution publique. Et la deuxième phrase, également extraite de la préface à cet ouvrage, est cette phrase à laquelle je faisais référence tout à l'heure en citant Cicéron, parce que c'est à peu près la même idée qui est exprimée là, hein, et c'est une idée, à l'époque, Durkheim critique beaucoup la conception Spencer, utilitariste, économiste, hein, qui fait que les individus sont liés aux uns les autres parce qu'ils sont des échangistes, parce qu'ils ont intérêt à échanger. Hein, c'est une idée que Durkheim va critiquer. Hein, si la division du travail produit la solidarité, ce n'est pas seulement parce qu'elle fait de chaque homme un échangiste. Hein, c'est qu'elle crée entre les hommes tout un système de droits et de devoirs qui les lie les uns aux autres d'une manière durable. C'est ça le produit de la division du travail, non pas de rendre les uns les autres dépendants économiquement et obligés d'échanger, mais de créer un système beaucoup plus complexe de droits et de devoirs qui les lient les uns aux autres d'une manière durable. Ça, c'est la première idée de Durkheim. Deuxième idée, Durkheim, comme Tocqueville, est très attentif à l'individualisme. Et là aussi, contrairement à une lecture un peu de Nisbet, ou à une conception un peu rapide des théories de Durkheim, Durkheim ne critique pas l'individualisme. Il est d'accord pour considérer que l'individualisme correspond à la doctrine moderne de la démocratie. Et il dit que l'individualisme est une institution sociale, comme toutes les religions connues. Mais ce qui fait l'originalité et l'importance de Durkheim, c'est qu'il ne va pas considérer que les droits des individus sont donnés avec l'individu, que les droits de l'individu naissent de la société. C'est là qu'il se différencie un petit peu de Tocqueville, même un petit peu beaucoup, enfin, c'est à nuancer. Hein. C'est l'État qui crée les droits des individus. L'homme
n'est un homme que parce qu'il vit en société et c'est l'État qui crée les droits des individus. Donc là, il y a une conception très française, où on comprend d'ailleurs le rôle de l'État, comme dit Rosan Vallon, c'est l'État qui est l'instituteur du social, où l'individualisme est reconnu, mais où l'individualisme n'est possible que parce que l'État institue l'individu en tant que tel. Ceci dit, il a une vision assez nuancée quand même et assez tocquevillienne de la façon dont s'articulent les groupes secondaires et l'État. C'est qu'il est conscient, un peu comme Tocqueville, que si les groupes secondaires sont facilement tyranniques, quand ils ne sont pas modérés par l'État, l'État lui-même peut aussi devenir despotique et que l'État aussi doit être modéré à son tour. Donc il est conscient d'un équilibre à tenir entre le rôle de l'État et le rôle des individus. Ce qui libère l'individu, ce n'est pas la suppression de tout centre régulateur, c'est leur multiplication. Ce qui est important pour les individus, c'est la multiplication du fait associatif. Ce qui fait que, paradoxalement, la lecture de Durkheim est finalement assez proche aussi de la lecture de Tocqueville, même s'il attribue à l'État un rôle différent. Donc voilà, pour l'histoire de la tradition de la préhistoire du capital social. Bien entendu, aucun de ces auteurs ne cite le capital social. Néanmoins, le capital social, la problématique du capital social, la problématique du lien social, la problématique des associations, la problématique de l'articulation entre les individus, les associations et l'État, et sont bien des questions qui sont au cœur de la théorie du capital social. Alors, le capital social, comme le signale Putnam, une des premières personnes qui aurait cité le capital social, c'est Anifan, un Américain, un éducateur de Virginie, qui est un responsable éducatif et qui est attentif à une question finalement très moderne, c'est-à-dire qu'il est attentif à l'importance de l'engagement de la communauté dans le bon fonctionnement des écoles. C'est-à-dire qu'il pense que le bon fonctionnement de l'école dépend de l'engagement de la communauté. Bien entendu, c'est fortement lié aussi aux caractéristiques spécifiques du système scolaire américain. Et il donne une définition du capital social, une définition, pour ainsi dire, militante, où on voit très bien que le capital social, ça renvoie à un certain nombre d'idées très concrètes. C'est ce qui compte le plus dans notre vie, c'est-à-dire la bonne volonté, la camaraderie, la sympathie, les relations entre les individus et les familles qui forment une unité sociale. C'est lui qui définit, sans autre ambition que pratique, en 1916, cette notion de capital social. Mais cette réflexion n'a pas eu de prolongement théorique. Les prolongements théoriques du capital social sont dus à quatre auteurs, qui sont Pierre Bourdieu, donc un sociologue français récemment décédé, James Coleman, un auteur américain qui, selon Putnam, est un auteur important parce que c'est lui qui, selon Putnam, aurait mis la question sur l'agenda. Et enfin, et troisièmement, un courant très important qui, dans un premier temps, n'utilise pas la notion de capital social, mais qui est néanmoins proche de cette réflexion, la sociologie des réseaux. Et enfin, Robert Putnam lui-même. On va voir que ces quatre auteurs ou courants donnent des définitions extrêmement diverses du capital social. Commençons par Bourdieu. Alors, Pierre Bourdieu publie en 1980, alors, il est intéressant de constater que le capital social va apparaître des deux côtés de l'Atlantique de façon totalement indépendante. En 1980, dans un article de Pierre Bourdieu, qui est un des grands, si ce n'est le plus grand sociologue français, en tout cas du XXe siècle, et probablement le sociologue français le plus connu, et il publie en 1980, dans la revue qu'il dirige, un court article de 3 pages, qui est totalement théorique, et dans lequel il définit à sa façon, je suis désolé, c'est une façon très, comment dire, très scientifique, très académique, il définit le capital social comme, on ne peut pas le résumer, on est obligé de lire la définition, comme l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance ou d'interreconnaissance,
ou en d'autres termes, à l'appartenance à un groupe comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés communes, mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et ultimes. Donc voilà une définition un peu lourde, très théorique du capital social. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette définition du capital social? Qu'est-ce qui caractérise la façon dont le capital social est défini par Bourdieu? Premièrement, il définit le capital social à partir de sa sociologie, qui est une sociologie de la domination. Et il a une théorie des capitaux dans laquelle il distingue trois types de capitaux. Les individus sont déterminés en fonction de leur capital économique, de leur capital culturel, le niveau de formation, et de leur capital social. Donc ça fait partie d'un ensemble, c'est pas une théorie en soi, c'est une théorie, le capital social est un des capitaux qui permettent d'analyser les groupes sociaux. Deuxième caractéristique pour Bourdieu, bien que ce soit un peu plus complexe, mais disons qu'il analyse le capital social d'abord comme un bien individuel. On va voir avec d'autres que le capital social peut être vu comme un bien plutôt collectif. Pour Bourdieu, je pense qu'on peut dire, c'est discuté, que le capital social est un bien essentiellement individuel. Troisième caractéristique du capital social de Bourdieu, et cela apparaît dans la suite du texte, le capital social est le fruit de stratégies d'investissement. Il, dans la suite de ce texte, il dit que les individus investissent dans la relation de façon à accroître leur capital social et de façon à se constituer un capital social utile. En fait, il a une conception très économique, très économiciste de la pratique des acteurs. On construit, on choisit nos relations de façon à ce que ces relations ne soient les plus utiles possibles. Donc là, on a une approche assez instrumentale, utilitaire du capital social qui rejoint sa problématique d'ensemble. Quatrièmement, quand on étudie ce court texte, on est frappé par le fait que les exemples de capital social qu'il prend sont ce qu'il appelle uniquement des échanges légitimes. Qu'est-ce qu'il appelle des échanges légitimes? Je vous cite les exemples qu'il prend. C'est des rallyes, des croisières, des chasses, des soirées, des réceptions. C'est des lieux quartiers chics, des écoles sélectes, des clubs, des pratiques, des sports chics, des jeux de société, des cérémonies. Enfin, un ensemble de pratiques sociales qui sont les pratiques sociales des classes dominantes. En fait, ce qui est assez intéressant dans son texte, c'est qu'il ne pense le capital social que par rapport aux catégories sociales privilégiées. Le capital social, c'est un attribut des classes dominantes, c'est un instrument de domination, c'est un instrument des classes et des pratiques qu'il appelle légitimes. Cinquième réflexion, il est intéressant de souligner que cette théorisation du capital social, qui relève quand même d'une théorisation ancienne, 1980, les travaux de Putnam commencent à être connus dans les années 90, n'ont donné lieu à aucun travail empirique. En fait, Bourdieu a été un des premiers à théoriser la notion de capital social, et il est assez intéressant de constater que ça n'a donné lieu à aucun travail empirique, alors que ces autres concepts, le capital économique, le capital culturel ou bien l'habitus, etc., a donné lieu à nombre de travaux empiriques de premier plan. Ce qui est assez intéressant à souligner, une des raisons, probablement, du fait que Bourdieu ou les sociologues qui s'inspirent de sa problématique ne se soient pas intéressés au capital social, c'est que probablement, d'après ces sociologues, certains le disent explicitement, le capital social n'a pas d'effet propre. Le capital social ne fait que redoubler les effets du capital économique et du capital culturel. Donc en fait, il n'y a pas d'autonomie réelle dans l'analyse des pratiques sociales, du capital social, des relations, d'interconnaissance et d'interreconnaissance, comme il dit. Et ça, c'est assez intéressant, et ça permet aussi d'expliquer que c'est un peu un paradoxe pour un Français d'être invité dans un débat sur le capital social. Si un pays en Europe où le capital social est reçu avec beaucoup de méfiance, si on peut dire, à propos de capital social, c'est la France. Et c'est peut-être lié au fait qu'en France, on vit sous le
sous l'influence de la pensée de Bourdieu, qui fait du capital social quelque chose, finalement, qui relève de peu d'autonomie. Donc voilà la première pensée, celle de Bourdieu, une pensée importante, parce que vous tapez capital social sur Google, vous tombez très souvent sur les définitions de Bourdieu. Le deuxième auteur important, essentiel selon Putnam, c'est James Coleman. Alors, James Coleman a notamment consacré deux publications à cette notion de capital social. Il y en a d'autres, mais deux publications qui méritent d'être signalées, un article en 1988 et un livre dans lequel il consacre notamment un chapitre au capital social, un livre important, Foundations of Social Theory, qui est un livre qui a une ambition théorique assez importante. Et Coleman, dans ce livre, définit, alors j'ai laissé la définition anglaise parce qu'elle est finalement assez difficile à traduire en français, alors là on est à trois niveaux, en tout cas on peut traduire de l'anglais vers l'espagnol ou du français, hein. Mais disons qu'il définit le capital social comme les ressources des structures sociales. Donc là, c'est assez intéressant. L'idée est aussi présente, c'est Bourdieu. Mais disons que c'est des ressources des structures sociales, et il souligne que ces ressources ont pour intérêt de faciliter l'action des individus au sein de ces structures dans lesquelles ils prennent place. Alors là, un peu aussi comme Bourdieu, c'est un ensemble de définitions qu'il est difficile de présenter rapidement, hein, parce que tous les mots comptent. La définition est importante, celle qui est en dessous est beaucoup plus détaillée, mais on voit bien que le capital social renvoie de façon plus explicite que chez Bourdieu aux structures sociales, aux relations sociales. Et deuxième idée, l'importance du capital social, c'est que ça facilite l'action des individus. Et si on veut caractériser un peu, comme je l'ai fait pour Bourdieu, cette théorie du capital social, premièrement, je rappelle que James Coleman adhère au choix rationnel. C'est-à-dire, lui, il adhère explicitement à la théorie de l'homo economicus, à l'importation en sociologie des théories du choix rationnel. L'individu agit parce qu'il est intéressé, il fait des calculs coût-avantage. Mais chez lui, c'est explicite et assumé. Deuxième caractéristique du capital social, c'est là qu'on voit pourquoi Putnam s'est intéressé à lui, c'est que, idée qui n'est pas du tout présente chez Bourdieu, c'est que le capital social, et je venais de le souligner, il a un rôle particulier, c'est qu'il facilite la capacité des gens à travailler ensemble. C'est ça qui est très important, c'est une contribution à l'action collective. Alors, le capital social, et c'est en cela que Putnam va s'inspirer de Coleman, le capital social, chez Coleman, c'est une théorie de l'action collective. Qu'est-ce qui permet aux gens d'agir ensemble, de produire des biens collectifs? C'est le capital social. Et qu'est-ce qu'il a, le capital social? Le capital social, on va retrouver des idées qui sont déjà présentes chez Cicéron, qui sont présentes chez Tocqueville, qui sont présentes chez Durkheim, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire la généalogie de tout cela. C'est que le capital social, c'est à travers le capital social, à travers ces relations des structures sociales, que se créent des obligations et des attentes réciproques. Hein, que nous sommes en contact les uns avec les autres, et nous avons des obligations et des attentes réciproques. Deuxièmement, les relations sociales sont des canaux de communication. Hein, les relations, le capital social, c'est un ensemble de canaux de communication à travers lesquels circule l'information. Enfin, troisième effet du capital social, le capital social produit des normes, produit des normes collectives auxquelles tout le monde adhère, et l'assurance de l'application de ces normes. Enfin, dernière idée que je voudrais souligner, c'est idée qui est également absente chez Bourdieu, c'est que Coleman est le premier, enfin pas tout à fait, on va le voir, à souligner l'importance que le capital social produit de la confiance. Là, il y a déjà un problème. Est-ce qu'il est de la confiance ou est-ce qu'il en produit de la confiance? En tout cas, le capital social produit de la confiance, notamment parce que, et il prend comme exemple le fait que le capital social facilite les transactions. Et parmi les transactions, alors, je vais y revenir ultérieurement après, hein, mais parmi les transactions
les exemples qu'il prend. Alors, contrairement à Bourdieu, Coleman a fait beaucoup de travaux empiriques sur le capital social. Il a notamment étudié le fonctionnement du marché des diamants à New York. Il montre que c'est le capital social qui permet à ce marché de fonctionner. Et il s'est intéressé à une autre question qui est un thème aussi important du capital social. Il s'est intéressé à la sécurité des enfants dans les rues. Qu'est-ce qui fait que les gens sont en sécurité dans la rue? Il va le mettre en rapport avec les relations de voisinage. Donc Coleman est un auteur important, l'auteur qui, selon Putnam, a mis le capital social sur l'agenda académique. Mais auparavant, avant d'arriver à Putnam, il faut présenter un troisième courant qui est très important, qui est celui de la sociologie des réseaux et qui comprend de nombreux auteurs. Je vais en citer deux plus deux en fait. Mais disons que je pense que c'est un peu moi-même, j'ai réévalué l'importance. Je pense que pour bien comprendre les théories du capital social, il faut revenir à l'article fondamental écrit par Marc Granovetter en 1973, qui s'appelle en français « La force des liens faibles » et que vous trouvez sur Internet. Vous trouvez sur Internet, vous tapez « The Strength of Weak Ties » Granovetter, vous trouvez et cet article et l'article suivant qu'il a fait « The Strength of Weak Ties Revisited ». Et c'est un article essentiel, souvent cité parce que on retient de Granovetter l'idée que les liens sociaux permettent de trouver un emploi. Et en fait, si on rentre dans ce texte et qu'on lit en détail, on retrouve toute la problématique du capital social. Et notamment à la fin, dans la deuxième partie du texte, il s'interroge sur la question qu'est-ce qui fait que certaines communautés s'organisent plus facilement que d'autres pour atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres communautés, apparemment les mêmes, sont incapables de se mobiliser. Et il étudie notamment, c'est pas lui qui l'étudie, il revient sur des études faites par d'autres sociologues, de deux communautés ouvrières de Boston qui ont un même problème. Il doit faire face à une rénovation urbaine. L'une arrive à se mobiliser, développer une action collective. L'autre est totalement démunie et n'arrive pas à faire face à l'opération de rénovation urbaine. Et ce qu'il étudie et ce qu'il met en évidence dans cet article, c'est que la communauté, alors je vais vite, éventuellement on pourra y revenir après, mais la communauté qui arrive à se mobiliser, elle est marquée par l'existence de l'importance de liens faibles, c'est-à-dire de liens entre personnes qui se connaissent et ne se fréquentent pas intensément, par l'adhésion à des associations et aussi par le fait qu'elles travaillent sur place, tandis que l'autre communauté est surtout marquée par des liens forts. Elle est même quasi exclusivement marquée par des liens forts. Elle est composée de clans. Et ce qu'il montre, et c'est l'intérêt de cette analyse, c'est en quoi les clans, finalement, permettent à la fois la cohésion forte du groupe, mais aussi l'incapacité du groupe à agir, alors que l'autre, qui comprend et des liens forts et des liens faibles, arrive à agir. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, est essentiel, étant donné l'importance chez Putnam du capital social bonding et du capital social bridging, sur lequel je vais rapidement revenir. Alors, ce qui est intéressant dans le travail de Granovetter, c'est la première ligne de son article, et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour le capital social, parce que le capital social, ce qui fait un des multiples intérêts de la problématique du capital social, c'est une volonté, qui est celle de la sociologie des réseaux, de faire le lien entre l'analyse micro-sociologique et l'analyse macro-sociologique. C'est de faire le lien micro-macro, un des problèmes les plus complexes en sociologie. Comment faire le lien entre ce qu'on constate au niveau macro, par exemple les taux de confiance qu'on a constatés tout à l'heure, en quoi l'inégalité des taux de confiance entre les hommes et les femmes, par exemple, réciproquement, est si important, et comment faire le lien entre cette réalité macro mesurée par les statistiques avec la façon dont les relations sociales se vivent, se nouent, s'organisent, s'analysent au niveau micro. L'ambition de la sociologie des réseaux, c'est de faire le pont entre ce niveau micro et macro. Et c'est de mettre en évidence que nos expériences individuelles de relations les uns avec les autres sont étroitement dépendants des éléments globaux de la structure sociale. Mais ça joue dans les deux sens.
la structure sociale dans laquelle nous sommes insérés influence nos comportements, nos relations très concrètes, et nos relations très concrètes quotidiennes influencent les structures sociales. Je rappelle que Marc Ranovetter est également responsable d'une théorie de l'encastrement qu'il partage avec un autre auteur, Polanyi, et que pour aller vite, ce que dit la théorie de l'encastrement, c'est que nos relations économiques sont encastrées dans des relations sociales. Et par rapport à tout un ensemble de théories sur le capital social, je pense que le capital social, c'est d'essayer de faire comprendre le rôle des relations sociales dans les relations économiques. C'est que ça ne s'explique pas par les intérêts des individuels ou par les réalités économiques, c'est d'explorer la dimension sociale de tous les faits sociaux et notamment des faits économiques. Bon, je passe sur le dernier. Je passe aussi sur celui-là parce que bon, j'aurai l'occasion d'y revenir dans l'autre auteur qu'il faut citer, toujours dans la sociologie des réseaux, le précédent c'était juste deux pour illustrer, c'est Ronald Burth. Ben, c'est un auteur également important, mais c'est juste pour souligner que la sociologie des réseaux est un courant très important qui date des années 70, très prolifique, mais qui comprend des approches assez différentes. J'en prends un auteur là. Disons que un auteur qui est important parce que d'abord il a fait une critique dans des textes récents des théories du capital social. Pour lui, le capital social, c'est qu'une métaphore, c'est l'élément complémentaire, contextuel du capital humain, et ça ne dit rien d'autre que les gens qui sont les plus performants, c'est les gens qui sont le mieux connectés. Finalement, mieux on est connecté, plus on a des relations sociales riches, plus on est performant. Et il trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ceci dit, son postulat, donc lui, ce qui va l'intéresser, c'est la mécanique des connexions. La seule chose qui compte pour Burth, c'est d'étudier la structure des connexions. Et il va souligner, pour lui, ce qui est central, c'est la notion de ce qu'il appelle un trou structurel. Les gens qui ont les relations les plus favorables, les plus profitables, c'est des gens qui ont des relations avec d'autres personnes qui, entre elles, n'ont pas de relations. Bon, c'est une notion un peu complexe, mais il faut souligner, c'est dans la deuxième définition, que son point de vue part d'un point de vue très économique. La société, c'est un marché dans lequel, dans nos relations, nous échangeons tout un tas de biens et d'idées, et dans lequel nous échangeons en fonction de nos intérêts. Concevoir la société comme un marché, c'est une conception, bien entendu, singulière, qui peut se justifier de la théorie. Donc, Ronald Burth, c'est un autre courant dont Ranovetter s'est éloigné quand même en soulignant qu'il ne s'intéresse absolument pas aux normes. Donc, ce courant donne lieu à une sociologie, un courant aujourd'hui très vivant, qui s'appelle la sociologie structurelle ou structuraliste, qui s'intéresse à la forme des réseaux. Alors, dans la généalogie, on aurait aussi pu parler de Simmel. On peut même se demander si Simmel n'est pas un auteur plus important que d'autres pour la généalogie du capital social. En tout cas, la sociologie des réseaux se réfère explicitement à cette sociologie formelle de Simmel. C'est la forme des relations sociales qui explique les faits sociaux. Il faut rendre compte des effets de structure sur les comportements et inversement, je l'ai déjà dit. Et enfin, la sociologie des réseaux part d'une conception de la rationalité, quand elle n'est pas rationalité économique à la Burth, qui est une rationalité relationnelle, limitée, relative. Ce qu'elle fait l'hypothèse, c'est que les individus n'agissent pas isolément, de façon atomistique, mais ils agissent en relation. La sociologie structurelle donne lieu à un courant extrêmement sophistiqué dans lequel l'objectif et l'idée, c'est qu'on peut épuiser la carte des réseaux des individus et que c'est ça qui compte pour essayer d'expliquer. Elle se prétend, il y a un débat, est-ce que c'est une méthode ou une théorie, je ne peux pas développer. Dernier élément de cette clôture donc de cette présentation des courants de la sociologie, Robert Putnam. Alors, Robert Putnam, qui est donc responsable du débat actuel,
il est responsable de tout un tas d'œuvres qu'on peut rapidement, très très rapidement, présenter. Premier ouvrage, 93, Making Democracy Work, Civic Traditions in Italy. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il étudie la performance des gouvernements régionaux en Italie. Les régions italiennes ont une assez grande autonomie, et il se dit, est-ce que tous les gouvernements régionaux ont des performances égales ou inégales ? Et en fait, ce qu'il met en évidence, c'est que les différentes régions ont des performances très inégales, et il fait l'hypothèse que la performance très inégale des régions est liée à ce qu'il appelle dans un premier temps, non pas capital social, mais ce qu'il appelle l'esprit civique. Les régions qui réussissent le mieux, les gouvernements régionaux qui réussissent le mieux, sont les gouvernements des régions où les habitants sont le plus civiques. Après, il va transformer esprit civique en capital social. Et donc, ça donne lieu à un ouvrage j'y reviendrai ultérieurement, qui donne lieu, qui reçoit des prix, qui reçoit aussi beaucoup de critiques et beaucoup d'éloges. Donc, il fait cette étude, il revient aux États-Unis et il constate que le capital social américain, qui est un des fondements de la démocratie, il part de l'idée que si la démocratie américaine est forte, c'est grâce au capital social américain. C'est grâce au fait que, comme on dit, les Américains sont des joiners. C'est-à-dire que les Américains, contrairement à une idée très répandue, par exemple en France, les États-Unis et la France, du point de vue de l'individualisme, les Français croient que les Américains sont des individualistes et les Français pas. Or, en réalité, sociologiquement, c'est les Français qui sont des grands individualistes, faiblesse de tous les corps intermédiaires, et les Américains qui sont membres de multiples associations. Et donc, ce qu'ils constatent, c'est que les Américains sont de moins en moins des joiners, sont de moins en moins membres d'associations. Alors, bowling alone, il ne faut pas se méprendre. Bowling alone ne veut pas dire qu'on joue au bowling tout seul. En fait, bowling alone, dans son esprit, ça veut dire que jusqu'alors, on jouait au bowling dans des ligues sportives, dans des associations, et désormais, de plus en plus, on joue au bowling avec des amis, avec des proches. Donc c'est la forme de capital social qui change. Allez, on ne joue pas au bowling, on joue pas au bowling tout seul. On joue au bowling, mais est-ce qu'on joue dans des associations sportives ou est-ce qu'on joue uniquement avec ses parents, ses proches et ses amis ? Et il constate que ce n'est qu'un exemple, bien entendu. Le capital social s'effrite aux États-Unis. Il écrit ça en 95, vif débat. Il devient même aussi un conseiller de Clinton. Il lance une étude extrêmement importante où il mesure dans le détail, j'y reviendrai plus tard, le capital social. En l'an 2000, il publie un livre dans lequel il... Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, dans lequel il établit, d'après lui, de façon statistique très sérieuse, que les Américains participent moins aux élections, sont moins membres des associations, vont moins... ont moins de relations informelles, ça touche tous les domaines, hein, y compris le formel et l'informel, s'invitent moins les uns les autres, etc., etc. Et il dit que c'est un problème parce que ça menace la démocratie américaine. En l'an 2000, il dirige un livre qui est aussi intéressant, « Democracies in Flux », parce que dans ce livre, qui est donc un livre collectif, différents auteurs étudient l'état du capital social dans sept grands pays européens, sept grands pays développés, États-Unis, Grande-Bretagne, Japon, Espagne, France, Suède, et deux autres, et dans lequel les thèses de Putnam, en fait la question qui se pose, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis se passe partout ? J'y reviendrai tout à l'heure, non, c'est pas partout la même chose. Dans la citation que je donne, je rappelle sa citation exacte, qu'il donne dans son livre de Bowling Alone, dans lequel effectivement il fait référence à la confiance. J'y reviendrai dans la deuxième partie parce qu'en fait c'est un des sujets qui pose le plus, un des sujets pour lesquels il est le plus critiqué. C'est important par rapport à la première intervention de voir un petit peu en quoi la question de la confiance est un sujet de débat au sein de la communauté scientifique sur les théories du capital social. Alors très rapidement. Les caractéristiques du capital social selon Putnam. Alors premièrement, c'est une théorie qu'on peut qualifier de néo-institutionnaliste.
qui notamment, c'était implicite tout à l'heure dans une des, des slides qui ont été montrés, qui est une réponse au free riding. Le capital social, c'est ce qui permet, d'après Putnam, d'empêcher que les gens fassent défection. Deuxième caractéristique très importante, notamment par rapport à Bourdieu, c'est que le capital social n'est pas tant un capital individuel, le capital social est une ressource collective. Une ressource collective, et on voit là la filiation par rapport à Coleman, une ressource collective qui favorise l'action collective et qui favorise la performance institutionnelle. On voit aussi dans ses écrits à quelle façon on reprend des idées de Tocqueville. Souvenez-vous, tout à l'heure je disais que le rôle des associations permet aux sociétés d'évoluer. C'est une idée que Putnam reprend. Le capital social, c'est quelque chose qui graisse les rouages sociaux et qui permet aux sociétés d'évoluer. À travers le capital social, on prend conscience qu'on est liés les uns aux autres. Alors, il produit de la confiance et de la réciprocité. Bon, tout à l'heure, on a déjà fait l'allusion, enfin, on a déjà cité tout le débat sur réciprocité généralisée et réciprocité simple. Et ce que Putnam souligne, c'est qu'une société caractérisée par la réciprocité généralisée est beaucoup plus efficiente qu'une société méfiante, de la même façon que la monnaie est plus efficiente que le troc. Je rappelle aussi qu'il distingue deux grandes formes de capital social, qui renvoient aux liens faibles et aux liens forts. Le bonding, le capital social, les relations sociales que nous entretenons avec nos plus proches, les liens forts, qui permet d'aller bien, en fait. On a besoin des capital social qui fait que les gens tiennent les uns aux autres, qui fait qu'on fasse société. Et le capital bridging, qui renvoie plutôt au capital social des liens faibles, qui renvoie aussi à la notion de capital social ouvert, et là où le capital social, c'est plutôt un lubrifiant. Faut souligner aussi qu'au fur et à mesure de ces travaux, le débat essentiel qui l'a généré, c'est celui du déclin et de la transformation du capital social, déclin et transformation qui entraînent le débat de la mesure. Quelques mots en conclusion. Alors, il y a pas, le capital social, en fait, notamment en France, est très critiqué. Certains, j'assistais récemment à une journée où on essayait d'élaborer un indicateur. On n'ose même pas dire du capital social en France parce que c'est trop critiqué, de cohésion sociale. Certains critiquent beaucoup cette notion, une approche d'être polysémique, d'être une notion valise, d'être une notion floue dans laquelle chacun met ce qu'il veut. D'autres soulignent au contraire que cette notion, elle est justement plastique, elle peut être, elle a une valeur heuristique assez grande. Elle véhicule une interrogation centrale qui est importante, qu'est-ce qui fait société, qui est une interrogation sociale de la société, et formule, même si ce n'est pas dit tel quel, une théorie de l'homo politicus, qui est à la fois une alternative à l'homo economicus et peut-être aussi une alternative à l'homo sociologicus, c'est-à-dire que les individus ne sont ni mis par des intérêts individuels, ni définis par les structures, par les groupes dont ils font partie, mais sont inscrits dans des façons de faire société, dans des relations sociales. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, muchísimas gracias, es que recasco. Y vamos a reanudar. Yo creo que el concepto o la noción del capital social, pues creo que va penetrando en cada uno de nosotros. Después de la charla de esta mañana, más este recorrido, yo diría que casi histórico, prehistórico, como él ha llamado, con los tres grandes sociólogos maestros de la historia de la sociología, y luego nos ha presentado las características del capital social a través de las diferentes corrientes de diversos autores o corrientes sociológicas diferentes, ¿no? Yo al final, como resumen, me he quedado con un tema que me interesa muchísimo, y es que decía que el capital social
c'est agir ensemble. Es actuar en equipo, en conjunto, en equipo. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos perfilando un poquito el concepto, concretando el concepto, que es importante. Luego ya las líneas de investigación y la capacidad de medir, eso pues ya iremos, esta mañana hemos visto algunos ejemplos y tal, ¿no? Bueno, dice él que en Francia son muy críticos con el capital social, dice él, bueno, y ahora es el momento de hacer la crítica o de hacer los comentarios correspondientes. Podemos tomar unos 10 minutos para los comentarios, para plantear las cuestiones que os parezcan las más oportunas. Así que abrimos el debate. Si no hay una cuestión, yo tengo una primera cuestión, y es, estamos en una sociedad donde estamos huyendo de la creencia religiosa. La gente huye de los partidos políticos, de los sindicatos, ni qué decirlo. El matrimonio como institución va desapareciendo. Entonces, en esa sociedad donde el individualismo pues ha tomado carta de ciudadanía, donde se incluso, bueno, pues la libertad, el individualismo, etcétera, etcétera, pues son los valores cuasi supremos de esta sociedad, ¿cómo se entiende ahí la forma de actuar en equipo, participar, contribuir, ser partícipes de algo? Entonces, sin ser francés, yo acepto en parte esa crítica de que la sociedad tendencialmente en este momento pues no va caminando por ahí, ¿no?, sino todo lo contrario, se está alejando un poquito. Esa es la primera lectura un poco estereotipada que se podría hacer, ¿no? Sí. Yo quería que de la croyance religieuse. En plus, on n'aime pas les partis politiques, on participe pas dans la politique, même pas au syndicat, même l'institution matrimoniale, etc., ça disparaît. Partout en Europe, même chez nous. Aussi. Donc, l'individu, c'est la valeur suprême de la société actuelle. Donc, la liberté, les droits, l'individu, l'individualisme. Et donc, on s'éloigne, on s'approche du capital social, on s'éloigne chaque fois. C'est une émission sans être français. Je suis aussi assez critique. Assez critique dans une lecture, dans une première lecture. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Non, parce que je t'entends pas. Moi, je pense, enfin, en tout cas, l'exemple français, à mon sens, mais c'est là aussi, c'est discuté, confirme assez fortement le déclin d'un certain nombre d'institutions, comme le syndicalisme, par exemple. Et pour expliquer, par exemple, le syndicalisme, le déclin du syndicalisme, bon, on peut avancer un certain nombre d'explications sociales ou économiques, et je pense qu'effectivement, le déclin du syndicalisme, ça relève plutôt
lui déclare un certain nombre de normes et de valeurs et de transformation du groupe salarial qui auparavant faisait que le groupe s'investissait. Et je n'ai pas tout à fait compris. C'est-à-dire, en résumé, j'ai pris une petite note. Agir ensemble. Donc, si on n'agit pas ensemble, du point de vue politique, même du point de vue syndical, on s'éloigne chaque fois plus de la politique, du syndicalisme, de la croyance religieuse, etc. Donc, l'individu, les droits, la liberté individuelle, etc., sont les valeurs suprêmes aujourd'hui, dans la culture actuelle. Donc, je me demande, on s'éloigne, on s'approche chaque fois plus des ressources qui supposent le capital social. Est-ce que en Europe, par exemple, en France, chez vous, ou bien dans l'État espagnol, ou bien ailleurs, en Scandinavie, dans les pays scandinaves, etc., on est chaque fois plus fort du point de vue du capital social, dans la mesure qu'on s'éloigne de ces croyances aussi bien religieuses que politiques et syndicales, etc., on s'éloigne chaque fois plus du capital social. C'est une question générique. Je pense que une des questions, c'est le capital social, c'est pas une donnée substantive dont on aurait plus ou moins. Je pense que fondamentalement, il existe de façon polarisée deux types de capital social. C'est ce que met d'ailleurs en évidence Putnam. Soit il existe un capital social, disons, pyramidal, vertical, avec des valeurs d'autorité, d'hierarchie. C'est-à-dire, ce capital social-là, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, peut aussi fonctionner. Par exemple, l'armée. L'armée, pour fonctionner, a besoin d'un capital social, a besoin d'un certain nombre de relations, a besoin d'un certain nombre de normes de réciprocité qui ne sont pas les mêmes normes qui permettent à un groupe social, par exemple à un laboratoire de recherche, de fonctionner. Donc ce que je pense, c'est que il existe un autre capital social en réseau, un capital social plus horizontal, un capital social plus participatif, un capital social plus respectueux des individus. Et quand j'analyse l'évolution des formes de capital social qui sont en déclin, ce que je constate, c'est que c'est le capital social hiérarchique, le capital social vertical, les valeurs de hiérarchie, les valeurs d'autorité qui sont le plus mis en question. Et qu'une crise et en fait qu'il y a une demande de participation, une demande de capital social horizontal, qui est à la fois plus reconnaissante de l'individu, mais comme l'a souligné comme l'a souligné toute la tradition sociologique, l'individualisme ne s'oppose pas au capital social. Au contraire, il y a une certaine forme de capital social horizontal qui permet à l'individu d'être davantage reconnu. Mais le capital social vertical, c'est à mon sens celui-là qui est actuellement le plus en déclin. Et si... Sí. ¿Algún otro comentario? Sí. Me gustaría conocer cuáles son las razones por las cuales el concepto de capital social es criticado en Francia. J'ai entendu que la fin. Je peux traduire, si vous voulez. C'est-à-dire pour toi, en France, chez vous, les concepts, la notion de capital social est aussi critiquée. Alors, bon, j'ai déjà donné quelques éléments de réponse. Premièrement, le capital social, en France, est connu, appréhendé par la communauté scientifique dans l'approche de Pierre Bourdieu. Donc, il y a déjà... ce premier obstacle,
c'est que le capital social, il est pensé dans les termes de Bourdieu, et la sociologie bourdieusienne est quand même très, très, très importante en France. J'ajouterai deux autres hypothèses, c'est que ce qui a été beaucoup critiqué en France, c'est aussi le fait que le capital social ait été mobilisé, instrumentalisé par les grandes organisations internationales, comme l'OCDE ou la Banque mondiale, et on reproche au capital social d'être une façon de traiter un certain nombre de questions sociales et économiques de façon non coûteuse. C'est-à-dire que le capital social, ce serait une façon de traiter des problèmes de pauvreté ou de développement à moindre coût. Troisième idée, les théories du capital social à la Putnam sont des théories américaines, et peut-être qu'il y a un espèce d'anti-américanisme, un relent d'anti-américanisme en France qui est, à mon sens, assez profond. Alors, bien entendu, quatrièmement, si j'appartenais, comme par exemple dans notre livre, il y a un article de Sophie Ponthieu. Alors nous, dans notre livre, nous avons voulu donner la parole à toutes les sensibilités scientifiques, et donc on a publié le texte de Bourdieu et on a publié le texte d'une chercheuse qui critique beaucoup le capital social, qui dit que c'est un concept mal pensé et que c'est un concept qu'on ne peut pas mesurer. La critique la plus fréquente qui revient, c'est que dans le capital social, on peut mettre tout ce qu'on veut, si on étudie la façon dont les différents pays mesurent le capital social, chaque fois on le mesure de façon différente. Je pense que le capital social, c'est quand même quelque chose d'assez précis. Il renvoie aux relations sociales et aux normes de réciprocité, ça me semble quelque chose d'assez précis. Et deuxième réponse, si on éliminait de la sociologie tous les concepts polysémiques, il n'y aurait plus beaucoup de concepts qui résisteraient à la culture, à la classe sociale. Enfin, la sociologie, un des problèmes de la sociologie, c'est qu'il y a beaucoup de concepts polysémiques. Et en même temps, enfin, donc ça c'est des éléments de réponse, mais il y en a probablement d'autres. Merci. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna cuestión? Sí, sí, por favor. Oui, j'avais une question. Hablé en castellano ou en francés? Il y a une traduction. Non, d'accord. Oui, la question... Sí, la pregunta que quería hacer es si usted puede desarrollar un poco el tema del futuro del concepto de capital social. Efectivamente, nos damos cuenta que es quizás un concepto que fue a la moda a una época dada, y muchísimos libros se han editado sobre el tema. Usted dijo en un libro de que más de 200 libros y 400 artículos en un año, no sé cuál es. Entonces, quisiera saber lo que opina del futuro de este concepto, si la principal dificultad de este concepto es que hay muchísimas definiciones y hablamos de cosas muy, muy, muy diferentes. Y la otra pregunta, que es la última, y usted ha hablado un poco de esto, si el capital social es únicamente un recurso para la sociedad, para grupos o para individuos. Y de cierta manera me gustaría saber si no es, si puede ser negativo, y en qué términos, en qué formas. Gracias. Oui, en réponse donc à la question. Premièrement, donc effectivement, le capital social a connu une croissance exponentielle de publications, très précisément à partir de 1995. On voit la publication de l'article de Putnam date de 1995, le livre date de 2000, et on voit très bien qu'à partir du débat lancé par Putnam, le capital social connaît une croissance phénoménale, passant de moins de 50 articles et livres par jour. Alors, cette enquête a été menée sur une banque de données, Science Directe, qui est très partielle,
mais qui permet quand même de montrer qu'il y a un effet bowling alone, c'est-à-dire que les travaux de Putnam suscitent un intérêt et que cet intérêt, il est un peu retombé, mais bon, on n'a pas actualisé ces données, mais je pense quand même qu'il y a un futur, je pense qu'on n'est qu'au tout début. Enfin, finalement, ce n'est pas si vieux que ça. Hein. 95, c'est 12 ans. Donc c'est un peu, je pense que c'est un peu, le futur du concept est... Il est largement ouvert, et le fait qu'en France on commence cette année à étudier la possibilité de mesurer le capital social, ou ici qu'on va mesurer le capital social, et puis il y a des travaux en cours dans de nombreux pays, donc je pense qu'il y a énormément de... Enfin, je ne vois pas du tout que la mode est passée, quoi. Enfin, c'est pas qu'une mode. Deuxièmement, pour moi, c'est une ressource à tous les niveaux. C'est une ressource individuelle, c'est une ressource pour les groupes, c'est une ressource pour la société. C'est, je pense, un des intérêts des travaux du capital social. Mais c'est ce que je vais développer dans la deuxième partie. Hein. J'aurais pu aussi citer... Il y a en permanence des travaux qui mettent en évidence que les relations sociales représentent un intérêt vif dans tel ou tel domaine. Je vais y revenir ensuite. Enfin... À la dernière question, oui, le capital social peut être négatif. Ça, c'est reconnu par Putnam, c'est reconnu dans tous les travaux. Un groupe mafieux a besoin de capital social pour fonctionner. Et donc, il produit du capital social négatif. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que dans un premier temps, Putnam a identifié capital social et esprit civique. Ça donnait une connotation très positive. Et a identifié capital social et démocratie. La démocratie a besoin d'un capital social, mais le capital social, n'importe quel groupe a besoin d'un capital social. Un groupe mafieux, un couvent, une armée, une école, n'importe quel groupe ou institution a besoin d'un capital social. Mais ce capital social, il peut évidemment aussi avoir des effets négatifs. Hein. Le capital social n'est pas vertueux en soi. Si ce n'est qu'il peut, il est vertueux au sens de, il permet de produire ensemble. Muy bien, y creo que vamos a tomar una pausa.